Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et n'a fait encore une direction départementale, la Tibonite, l'en continue de mettre asphalte dans diverses rues, dans Ville de Naïve, sous tronçon route, Carrefour-Joff, Port-Péa. Pour exécuter le travail sérieux, technicien TPPCE, t'es mobilisé pendant tout le week-end passé en Chasson-Jourdan avec Danius Théodora, dis-nous plus. Plusieurs rues commencent à asphalter dans le cadre de travail gouvernement à réaliser dans Ville de Naïve. Pendant le week-end passé, divers techniciens TPTC mobilisés pour avancer avec chantier. Déjà, Gonaïviens et Gonaïviennes ont commencé à exprimer contentement et puis applaudir l'initiative autorité. Nous vraiment féliciter le gouvernement pour le bel travail qu'il a fait là parce que nous sommes vraiment dans une situation qui était vraiment extrêmement grave pour nous parce qu'à chaque moment la pluie tombée, c'est une catastrophe. La plupart de tout, sont catastrophes liées. Bon, nous vraiment, nous contents, nous réjouis. Nous connaissons, on veut passer dans un moto, c'est obligé, obligé pas qu'à passer. Bah, c'est nous sommes qui perd poussière, perd la boue. Bon, je veux dire, ça, c'est nous, un bon, nous, bah, qu'on est comment nous sommes capables de réverser le gouvernement pour très bel travail, ça, qu'il fait là, parce que nous féliciter le président encore. Moi, merci, gouvernement. Et me content en pile de ça qu'il fait là, parce que grand pile de monde qui devrait être critiqué, il commence à pas finir. Même te quoi l'ingénieur, même te quoi le gouvernement. Travail ça au visé by Ville Gonaïve yon l'autre visage, d'après directeur départemental TPTC la Tibonite là, Odivin Bondo, qui dit lui compter sur collaboration population pour faciliter avancement travail. Yo. Travail ça entre dans le cadre, une série de promesses que le président a été fait, même Gonaïve. Il était promet qu'il tape au Parc Vincent, au DPG, Liman Casimir et Riel Roger aussi. Et je dis à nous avons constaté que c'est promesse ça qui est devenu réalité. Nous avons fait une préparation, nous avons mis 35 là-dedans, nous avons fait une récréation et nous avons commencé exactement à faire ça avec la sorte là. Travail n'est pas différent sous ton son route, Carrefour-Joff pour DPA. Côté gain avancé qui fait, technicien TPTC continue à mettre asphalte. Je dis à nous avons sorti de Gonaïve, quand on arrive à Bédou, on a brûlé sur asphalte net. Soit asphalte net sur le Carrefour-Joff Gomon. Asphaltage Carrefour-Joff Gomon n'est pas campé. Nous travaillons dans la ville de Gonaïve, nous avons deux équipes. Une équipe qui travaille à Gonaïve et l'autre qui travaille sur route ça. Nous voulons finir notre projet ça avant le président Aller qui c'est 7 février 2022. Si on a des autres qui font. Soit nous travaillons dans la ville de Gonaïve, nous sommes obligés de rester sur le projet qui ne pas jamais démobiliser, même une seconde, pour nous faire le projet ça tourner en réalité. Travail asphaltage Gonaïve là a commencé après visite président Jovenel Moïse dans la ville là, alors que construction route Carrefour-Joff là rentre dans quatre promesses campagne chef l'État. Une route qui t'a dû inaugurer avant 2022. Les responsables dans la délégation départementale NIP fait plusieurs interventions pour améliorer l'agriculture dans le département SILA. Parmi les actions qui posaient, ils permettent à l'agriculteur de rejoindre matériel pour travail était à quasiment gratis. Falon Delphine avec Michel Joseph. Ok. Projet ça réalisé dans le cadre du ministère de l'Agriculture. C'est la Banque mondiale qui finance. L'objectif là, c'est de planter 30 carottes petites pour environ 6 000 familles manger dans plein de bacounois. Pour l'agronome John Wesley, il y a différentes étapes qui franchissent, tant qu'on étudie le terrain, labourage, la construction et puis. Nous avons besoin de plus. Et moyens et nous t'a conseillé dirigeant capable de penser à investir que capable de gagner un plus gros budget pour capable faire travail qui gagne pour faire l'agriculture parce que l'agriculture c'était lui-même qui était essentiel plus important pour haïtien donc si vraiment gagne moyen qui disponible gagne aide qui gagne donc nous pensons que nous capable relancer nous capable avancer avec l'agriculture nous capable améliorer le genre parce que là qu'on y a et bien, très grave et une question planter sans de l'eau donc il vient un problème parce que au cas fin planter comme ça et puis sécheresse tomber et puis pas de récolte donc il est important dans tout sens dans tout aspect d'agriculture pour que les paysans agriculteurs joignent aide pour capable relancer l'agriculture. C'est l'occasion pour qu'être notable dans la zone, mais d'encadrer encadrement l'État pour l'agriculture à Jarret. Ça qui est essentiel pour nous, président de la République, M. Jovenel Moïse, vient faire forage agricole là pour nous.
Et puis après ça, bonjour encadrement, même gens que vous voyez, TPR, viennent bonjour encadrement. Pour bonjour encadrement technique, et puis mettez l'argent à la disposition nous, pour nous développer l'agriculture dans Bakounoua, même l'agriculture. Projet ça a déjà touché trois communes, en Savo, Tirivien et Payan. Somme telle que Humanité Inclusion, que tout le monde connaît sous nos handicap international, ça a gagné quelques temps. Stop Accident, la DELR, qui sont direction de ministère de Santé publique et de la population, et puis il y a l'autre acteur, tout est participé. Donc résultat ça y est, nous estimons qu'il y a une pile importance parce que il permettre nous agir plus bien. Par exemple, le fait que Stop Accident travaille dans le domaine de prévention, dans le domaine de formation, sensibilisation, plaidoyer. Donc, il y a ben plus d'outils pour nous capables d'appuyer l'intervention qu'on a fait. Étudio en pile, il y a environ 6 études qui étaient faites, donc nous avons toujours été disponibles pour tout le monde. Étudio, c'était d'abord sous prise en charge préhospitalière, c'est-à-dire que le monde fait accident, est-ce que il y a une ambulance qui prend eux, ou du moins qui j'en suivi a fait. Donc ça est capable de décoller sur une bonne prise en charge ou une mauvaise prise en charge. Et si prise en charge n'a pas fait bien, quelles complications qui est capable de découler de ça. Deuxièmement, prise en charge hospitalière, donc l'arrivée de l'hôpital là, est-ce que suivi approprié a fait rapide, et même si suivi a fait, est-ce que l'est efficace. Par exemple, quelqu'un qui doit frapper dans la tête, il y a un trauma crânien, dépendamment de côté l'aller, est-ce que les joints soins nécessaires. L'autre résultat, c'est par rapport aux conséquences économiques et conséquences du point de vue social que l'accident gagne sur la population. Parce que nous prenons le soin pour nous capables d'apprécier tout le résultat ça et nous prenons le mettre à disposition ou capable de garder. Il y a des chiffres qui sont vraiment intéressants et il y a des chiffres qui sont vraiment alarmants. Tout. Et l'autre étude qui est faite, c'est par rapport à facteurs de risque, qui j'aime mieux percevoir risque, les gens qui font accident, qui facteurs estimés qui font accident. Et donc, dans le cas ça, on a regardé qui ça que victime pensait, on a regardé qui ça que et bon, chauffeur yo, qui implique un accident. Yo. C'est des victimes tout, mais nous essayons de faire des décantations entre monde qui est juste victime ou du moins un monde qui c'est un acteur qui participe dans un événement. Globalement c'est ça. L'un parle de l'hôpital yo où qu'on est accident fait tout côté dans le pays, dans la section communale, dans la commune, dans grande ville. Maintenant un monde qui fait un accident dans la section communale, c'est sûr que prise en charge à pape même que s'il était fait pour au prince, parce que il y a des grandes villes qui ont l'hôpital universitaire yo, côté qu'il y a plus spécialistes qui sont capables de prendre en charge. Donc, on a une différence là, différence dans la prise en charge là. Je attire l'attention sur un seul cas, trauma crânien, n'importe quoi, côté, sur moto, machine, dans n'importe zone dans le pays où il y a un accident, tête ou frappé. Mais c'est seul pour le prince qui a un service neurochirurgie qui est capable de prendre en charge réellement trauma crânien, dépendamment de grade et, ou encore de type de lésion qui provoque. Donc, je pense que c'est des données qui permettent de faire plaidoyer bon côté l'État, sensibiliser en pile acteurs dans la société et même structure santé autour pour être capable de mieux équiper pour répondre à besoin ça. Conscient que problème dans là. Je ne veux dire, mon a mouru tellement par d'autres phénomènes que d'oublier ça qui tue plus mon a et c'est accident de la route. Donc, c'est ça que fait, je dis, nous-mêmes nous présenter des études et sous accident de la route pour au moins nous faire mon yo conscient de problème là qui là et puis qu'à manger frais action nous de jour en jour. Et deuxièmement, ensuite, c'est si nous besoin changer le système, c'est pas avec des actions isolées que nous faisons. C'est vrai que nous-mêmes, non stop accident, Humanité et Inclusion et puis d'autres partenaires nous font des actions. Mais si nous ne pas entrer ça dans le cadre de politique publique, vraiment, pour qu'il y ait un changement qui a fait. Et il faut vraiment déjà gagner un fonds d'urgence qui est alloué aux accidentés. Parce que un problème que nous avons, c'est que l'on fait accident ou arrive à l'hôpital là, comme là partout, près d'un poche. Nous avons un système de paiement direct qui a crasé le pays, qui a tué le monde. Nous sommes tous en Haïti et à travers l'étude de New York que la majorité de ceux qui tuent le monde dans l'accident, soit accidentuel, soit c'est l'air à transporter là, soit c'est temps d'attente pour les joindre soins. Ce n'est pas même dans l'hôpital là. Donc nous demandons que un fonds d'urgence qui
alloué et à service d'urgence pour gagner un financement prépayé des services d'urgence en Haïti côté monde depuis le fond accident li rive li pa gen problème dans poche li li connaît la besoin tout soin yo peut-être qu'on a s'il besoin d'autres soins li ka recourir à médecin de choix li a et puis nous mandé tout faut yo inscrit sécurité routière dans plan et d'éducation parce que nous besoin un nouveau système éducatif qui adapté à besoin de population et jusqu'à présent pas vraiment gain éducation à la sécurité routière dans les écoles nous même non stop accident nous est projeté faire plaidoyer ça pour vraiment code de la route là depuis à l'école pour comprendre et puis premier secours pour ou cas assister moun à partir de ça que tu apprendre l'école là et c'est en cours d'adjo licence là le ou même ou al faire licence ou c'est pas un monde qui t'est invité à le faire licence c'est sans tout senti besoin pour gain machine donc ou dit OK faut qu'on fait licence ou mais kounya faut qu'on sauver vie Haïti si y a pas accident c'est balle si y a pas balle son monde qui tombé c'est de l'eau qui brotel donc nous inviter tout le monde pour former tête tout en premier secours pour gagner des premiers soins au moins ou ka bay au monde qui soit l'accidenté ou soit en personne qui est en danger. Gen pile côté qui offre des soins de premier secours, nous même dans stop accident tout nous fait des formations en secourisme, nous recommander non seulement pour population monde qui intéressé pour aider prochain pour former tête yo en premier secours, mais tout nous recommander pour ministère éducation nationale inscrit ça dans et programme et national d'éducation lien et la formation et l'éducation sur la sécurité routière et aussi aux premiers soins. Le président Jovenel Moïse condamné phénomène de sécurité qui passe suspend prend pied dans le pays pendant le dernier jour. Il y a encore chef d'État mandé ministre justice avec la sécurité publique la prend disposition sévère contre tout le monde. Le Kimbe non trafic d'armes avec munitions sur territoire. Chef d'État arrêté croyait phénomène kidnapping non c'est un fléau qui doit combattre notre tête ensemble entre différents secteurs. La population en yon extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne avec Lydie Dieudonné. Ministre de Justice là, doit passer commissaire gouvernement là, formel, pour ne pas gagner un passeport qui, depuis aucun moment, qui a recevoir des armes avec balles dans le pays. C'est seul pour que vous pouvez aller en prison. Pour juger, et puis pour condamner. Pas de question de monde, pas. C'est pour vous parler de gros chef. Ensuite, pour nous laguer. La justice élève une nation. Nous ne sommes pas capables. Dit, nous avons résolu le problème ZAM illégal à la munition dans le pays. Mais impunité. Kidnapping, c'est un gros fléau. Et nous venons pour nous finir avec le problème ça. C'est peut-être mon homme pour nous mourir contre lui. C'est pas. Tous ces moyens. Péter bataille en accord. Je suis conscient que l'État doit faire plus d'efforts dans la bataille contre catastrophe, kidnapping et crime organisé dans le pays. C'est pour ça que toujours par l'autorité qui l'a pour ça. Instruction claire. Pour mettre plus de vigilance avec intelligence dans le combat à mener contre fléau ça. Peuple haïtien, famille que catastrophe ça a frappé, nous avons des cris, nous avons des réels, nous avons des voix. Nous n'avons rien dormi dans les yeux. Même si nous sommes vieux. Tous les jours du matin, on a parlé à quelques monde qui est proche de nous, qui n'a pas hier. Je fais tout ça la loi comme je dois faire pour que bon j'ai une solution pour résoudre le problème. Ça. Mais une autre fois encore, je profite de ça pour me parler à protagoniste de la crise politique, sociale, et économique qui a bouleversé le pays. Division ça a installé corps dans nous. Depuis nous avons décision de tous les examens en 1806. Pour les juges aujourd'hui,
division ça pas au hasard. Pas quitter personne qui dit nous au hasard. Le Premier ministre Evans Paul fait connaître l'important pour l'autorité de chercher pour des réponses à un phénomène insécurité dans toutes dimensions. Evans Paul encourage l'autorité à intervenir dans le quartier qui a des problèmes pour capable établir la paix et la sécurité. Puis loin, il souhaite acteurs politiques et la société civile la fait tête collée avec l'État et puis pour te coller dans la lutte pour couper la vague insécurité qui a ravagé le pays entier. Il y a trois considérations que je fais. Première considération, son grave problème de dégénérescence sociale. Parce qu'il faut prendre comme ça. D'abord, comment faire pour que des gens qui les vont matin commencer à faire le kidnapper un monde pour l'exiger comme nous n'avons pas de mentalité ça. Il y a un problème ça. Et comment les gens qui font jouer un monde qui a toléré, les familles qui toléré, les gens qui complice, les gens qui serrent les gens pour les bailler comme ça. Ça, c'est le premier problème dans la société. Moi, je ne sais pas à Haïti, il y a des gens qui ne peuvent jamais penser faire ça. Ça, c'est le premier problème, non? Responsabilité citoyenne. Deuxième, non, c'est faiblesse l'État. Absence l'État dans zone, les zones de non-droit, dans le ghetto. Yo. Nous avons une population que, nous sommes capables de dire, démographie a augmenté à 1,5% selon le chiffre par année. C'est ça que fait notre dernier discours, le président Jean-Claude Duval, était fait le 2 janvier. 1986, avant de quitter le pouvoir un mois après, il fait référence à 6 millions d'Haïtiens. Je dis à nous autour de 13 millions, 15 millions. Nous presque triplé, trois fois plus. Et puis avec même ressources, même Thierry Delma, même Thierry Pavea, et puis nous plein machines pépé quand on est dans le pays. Nous plein motocyclettes quand on est dans le pays. Nous battons bonne bidon ville, bonne petit monde fête. Et puis avec cette situation-là, comment on est capable de gérer une société avec efficacité si on ne peut pas adresser une politique qui a planifié l'avenir en fonction justement de la démographie, en fonction de toutes mauvaises mœurs qu'a développées dans la société. Alors, pour gérer la question phénomène insécurité kidnapping, non, il y a une dimension sociale, il y a une dimension politique, faudrait-il que responsabilité familiale, responsabilité société, il faut engager le tout, il faut tout le monde voir les yeux, la police n'a pas jamais fait tout le bail pour contre lui. Faut que l'État présente tout, parce qu'il y a une absence de l'État qui fait l'air un bandit pour une zone, les voleurs pour camion dur, il sépare ça du ribas, etc. Moun yo c'est le recours, c'est l'autorité ça y reconnaître. Et puis il faut gagner la loi. Il faut mettre la police en confiance. Alors son problème grave. Qui m'a dit, je suis capable de dire, ils ont poté collé, ils ont front commun. Or, ça, moi, j'ai une polémique qui a fait. Tout le monde est à l'aise pour dire, les gens qui ont fait kidnapping, c'est le pouvoir qui mettait au fait le boulot. Il y a des gens qui ont pouvoir qui dit, les gens qui ont fait kidnapping, c'est l'opposition qui fait au fait pour nous pouvoir. Kidnapper bien content. Ils ont fait au parrain, ils ont fait au marin. Moi-même, je pensais que personne n'est pas capable de justifier les gens qui ont fait kidnapping pour dire que c'est parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ont misé. Je suis levé dans la misère tout. Je suis kidnappé. Plein de monde, la grande majorité des Haïtiens en misère. Haïti était toujours un pays pauvre. Dès qu'il y a fait de pour justifier un monde qui font kidnapping et parce qu'il est pauvre, parce qu'il est en misère, parce que l'État n'a pas pris soin. Je ne suis pas d'accord pour justifier ça. Je pensais que l'État créer l'école, il faut un bail qui fait. Mais kidnapping, violence, voler les gens, ça doit être banni. Et tout le monde, qu'on a l'opposition, qu'on a l'église, qu'on a pouvoir, sont fous communs pour nous faire contre phénomène ça, qui a détruit la société, qui a crasé l'image du pays. Et le président Jovenel Moïse a demandé toute institution qui est impliquée dans la gestion de droit commerce et marchandises sur le territoire, doubler vigilance dans le moment côté trafic d'armes illégales avec munitions à fait dans le pays. Chef l'État qui a inauguré un nouveau bâtiment de l'aéroport de Saint-Louverture lundi 12 avril là, annoncé exécutif la signé un accord avec le pays qui ont mis Haïti dans les affaires de sécurité pour permettre de poursuivre n'importe qui qui commet mauvais actes dans le pays. En suivant précision président Jovenel Moïse dans le micro Sabine Joétienne avec Lydie Dieudonné. Nous tous contentés. Nous connaissons qui quantité d'armes et munitions qui ont rentré dans le pays. Les armes et munitions, c'est eux qui ont signé troubles
abdèye dans la famille. C'est eux qui ont signé pour abdèye dans toute société. Haïti n'a pas produit ni ça, ni munitions. Bagage a ressorti. L'autre bord de l'eau. Et vous passez dans le pont. Vous passez dans l'aéroport à la frontière nous, pour rentrer dans le pays. C'est responsabilité pas nous dans l'État pour nous travailler avec tout douanier. Pour nous prendre bon jalousie pour freiner contre les bonnes. Empêcher les armes, munitions et drogues ce qu'il est dans le pays. C'est rôle nous comme l'État. Mais la décision ça reprend. Il faut que tout le monde fâche. Mais si nous voulons protéger la société, si nous voulons le pays à démarrer sur le plan économique, si nous voulons une bonne stabilité politique et sociale dans le pays, les mesures, c'est une obligation pour nous. Et les mesures, faut que nous prenions. Le ministre Finance, ministre de Justice, secrétaire d'État Sécurité publique, ministre Intérieur, directeur général de la douane, directeur général de la police. Mettez conseil de taille. Mettez conseil de taille pour nous croire contre les bandes. Contre les bandes, à tout vieux acte que malfait tout à côté de qui empêchait la douane de faire job. Jean le faire. Mais songez, en 2020, le système qui contrôle la douane, pour seule frappe, la douane te fait presque deux semaines, pas qu'à travail. Parce que, comme si on est de gros taureaux, il y a comme l'État, c'est pas même chose, pas nous, mais c'est pour y aller. Ça veut dire l'État en bas de Christian. Peuple a dit les bouquets. Les bouquets pour tes cadavres. Les bouquets dans le monde qui a kidnappé. Avec des armes illégales qui ont rentré dans le pays. Avec des munitions illégales qui ont rentré dans le pays. Moi, je connais. Je t'ai parlé. Dans le mois passé. Sous problème, ZAM qui sorti le bordel. Et nous avons bien dit, pour nous dire, frère, nous sommes qui dans la diaspora, nous connaissons, ça a dévoré que nous, même j'ai avec mon cap de Haïti. Mais nous avons dit, tout le monde qui a vécu dans le pays côté ZAM qui a sorti, nous-mêmes l'État, nous commençons le travail, nous déraper le travail pour nous résoudre. Nous avons fait beaucoup de travail avec le pays, les amis, côté des amis absolus, pour nous bloquer le problème ça, et en amont, et en aval. Ça veut dire, bloquer le côté absolu, j'en ai dit là, on ne peut pas être haïtien et vivre dans le pays, pour ne pas avoir de problème ça. Pour voler tout même à nous, pour une piger peine ici. Si c'est étranger, pour le pays qu'on doit faire là, aidez-nous, car une sanction contre nous. Et dans le niveau de la douane ici, c'est zéro tolérance. Les gens qui sont dans le monde. Et puis, une fois qu'on est juge Durin Junior Durin, il dit pour deuxième fois, comme représentant coup d'appel dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, élection organisée mardi 13 avril là, dans le cas CSPJ sur le fait dans Pétionville, en Suisse. Juge Durin Junior Durin élu pour deuxième fois comme représentant coup d'appel dans le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Pour aller ça, chaque juridiction organise l'élection. Dans les 5 coups d'appel, Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Caye, Gonaïve et Inche, il y a eu des élections ce matin par région et on a reçu tous les résultats. Je vais vous communiquer les résultats. Dans le cadre de l'élection du représentant des cours d'appel au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La cour d'appel des Cayes, on a eu 6 votants. Les 6 ont voté pour le candidat
Durin Durin Junior et 0 pour le candidat Jean-Pérez Paul. Pour la cour d'appel du Cap-Haïtien, 6 votants, 6 pour le candidat Durin Durin Junior et 0 pour le candidat Jean-Pérez Paul. Pour la cour d'appel des Gonaïves, 12 votants, les 12 ont voté pour le candidat Durin Durin Junior et 0 ont voté pour le candidat Jean-Pérez Paul. Pour la cour d'appel de Hinche, il y a eu 6 votants. Les 6 ont voté pour le candidat Durin Durin Junior et 0 pour le candidat Jean-Pérez Paul. Et enfin, pour la juridiction de la cour d'appel de Port-au-Prince, sur les 16 votants, 12 ont voté pour le candidat Durin Durin Junior, 4 ans pour le candidat Jean-Pérez Paul. Ce qui accuse le résultat suivant. Et pour les 46 votants, 42 ont voté pour le candidat Durin Junior qui est candidat à sa réélection et 4 ont voté pour le candidat Jean-Pérez Paul. Après publication résultat, le candidat a salué la façon dont l'élection est déroulée. Candidat malheureux Jean-Pérez Paul déclaré, il était disponible pour accompagner le représentant la cour d'appel là. Bon côté parle, juge Durin Junior dirait pour mettre pour continuer à faire travailler comme ça doit. Je présente mes plus vives félicitations à mon ami frère syndicaliste dont que je tiens la main pour conduire au syndicat. Heureusement, je n'ai pas échoué, mais j'ai tenté de réussir. Magistrat Durin Durin, mon ami, mon frère, vous avez brigué en second mandat et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Bon travail. Je me mets à votre disposition, si vous le voulez bien, pour qu'on puisse améliorer tout ce qui aura à faire demain. Je vous tends la main et ensemble, nous allons travailler pour relever la magistrature haïtienne. Nous allons travailler pour poursuivre avec la certification des magistrats afin de donner une image positive de la magistrature haïtienne. Nous allons travailler pour améliorer vos conditions de travail et de vie. Je suis un homme de parole. Jamais, au grand jamais, vos droits ne seront méconnus. Je serai toujours à vos côtés et je m'engagerai à défendre les intérêts de la magistrature haïtienne chaque fois qu'ils se trouveraient menacés. Conseil supérieur pouvoir judiciaire a là-dedans 9 membres. Président commissaire gouvernement bon côté la Cour cassation, yon membre officier ministère public bon côté tribunal première instance, yon juge magistrat dans Cour cassation choisi, yon magistrat juge la Cour d'appel élu, yon magistrat tribunal première instance choisi, yon magistrat tribunal de paix élu, yon membre fédération barreau yo élu et puis yon membre secteur droit monde choisi. Fondation J'ai créé à Marie-Hélène Gilles dénoncé façon il dit responsable office protection citoyen choisi moun qui pour représenter secteur droit moun dans conseil supérieur pouvoir judiciaire. Responsable fondation J'ai créé a mandé responsable OPCU recommencer processus élection candidat qui doit représenter secteur droit moun dans CSPJ une façon pour toute organisation dans secteur qui a participé en suivant extrait. A profité de micro la presto pour nous dénoncer processus en cachette que OPC veut réaliser pour les choisir un monde pour la voyer représenter secteur droit monde dans CSPJ alors que pas gain aucune transparence qui était faite c'est un critère n'a attendé et que yo choisir un monde pour aller représenter secteur droit monde et en dedans CSPJ nous croit que faut OPC lui-même lui refaire processus qu'elle était fait en cachette là en façon pour lumière capable faite pour tout le monde qui connaît qui est-ce qui va représenter secteur droits humains dans CSPJ puis faut organisation nous contacter dans téléphone en pile là dedans dit yo pas au courant yo pas recevoir aucune lettre qui était gagné appel à candidature yo pas connait qui l'est élection était arrivé faite pour te voyer au représentant à représenter organisation droit moun ak société civile dans CSPJ. Donc attitude en cachette ça yo pas démocratique. Et porte parole conseil supérieur pouvoir judiciaire maître Samuel Bossico annoncé dans niveau CSPJ ou commencé chita parler avec association magistrat en façon pour une solution à grève magistrat
Mais Samuel Bosiko expliquait la décision ça permet même qui gagne dossier la justice yo joint service en suivant. En tant que syndicat, ils ont droit à faire certaines revendications. Mais le CSPJ, en tant qu'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire, est entré en pourparler avec les magistrats pour voir comment trouver un modus operandi pour lever la grève. Mais le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire n'a pas la prérogative d'interdire aux magistrats de procéder à la grève, d'entrer en grève. Mais étant donné que nous sommes là pour servir la société, les magistrats sont là pour servir la société, il y a plein de gens qui sont en prison et qui doivent se fixer sur leur sort. C'est dans ce sens que le Conseil, en tant qu'organe d'administration, est entré en pourparler bien avant que la grève ait lieu. Dès le moment où on avait annoncé la grève, le Conseil avait tenté, comme pour désamorcer une bombe. Mais on n'a pas réussi. Le national magistrat ici à Anama, maître Jean-Winner Morin, fait qu'on est il y a toujours qu'un des grèves en main depuis plusieurs semaines dans 18 juridictions. Le président Anama a dit qu'il souhaitait l'autorité en exécutif la prendre bon jamais pour répondre à la revendication pour faciliter la reprise d'activité. En suivant extrait. Cette complicité que nous n'avons plus aujourd'hui, qui fait que tous les acteurs sont en grève pour demander à ce que notre pouvoir par le dans le pouvoir judiciaire là. On a dit non à cette complicité. Bien, on peut ce qui t'a proposé pour mettre campion en cellule d'urgence. Nous pouvons marcher dans l'idée. Il y a une cellule d'urgence. Depuis que la TIA, où on a deux dossiers qui passent. Par exemple, le dossier monétarité de Tiboyo, elle passe. Depuis son bagage qui a rapport à Béascopos, il passe. Donc, il y a toujours deux que il y a deux bagages pas faits. Parce que le tribunal n'a pas ouvert pour tout dossier. Mais, il y a un dossier urgent qui passe. Il y a l'autorité de l'exécutif qui m'a débrouillé au CSPJ à parler avec l'association magistrat, à Jujo, pour t'avoir comment capable de faire reprendre le travail. Je ne comprends pas ça. Non, quoi que l'autorité exécutif, c'est que vous êtes prêts pour chiter avec le CSPJ pour dire que vous allez faire retrait des deux arrêtés et puis vous allez réintégrer Christophe L'Espérance. Ça t'a dit si, par le retrait qui fait, si par les réintégrations de FIA, grève là continuer. Et je n'ai pas dit ça. Les principales revendications sont exactement ce que vous venez de citer. Non, mais si ça arrive, parce que la mise à son mois, hein, oui. Et il a avancé. Oui. Maintenant, si ça arrive, vous arrivez Chita, pas grand-tête. Ah oui, on dit Chita, entente. Mm-hmm. Alors là, nous comprenons. Donc s'il y a Chita, s'il y a entente, peut-être nous trouvons trêve. Okay. Mais si pas grand-tête fait. Bon, si pas Chita, pas entente. Écoutez. Si nous continuons, si nous ne pas continuer, c'est que nous pas de gagner. C'est pour gagner si notre famille souffre là. Mais c'est ce que j'aimerais contacter l'association ISAO. Bon, mais peut-être il va le faire bientôt. Mais pourquoi faire? Non. Parfait. Maintenant, après la rencontre au PCA, qui nous démarche? Oh, on a écrit à la Cour de cassation, on a dit ça. Hein? Le président de la Cour de cassation, et on prend la lettre que au PCA voulait banouan, il dit non que le tal. Chercher, jouer avec la Cour de cassation. La Cour de cassation expliquait très clairement qu'il y a un magistrat qui saisit la Cour des comptes et que la Cour des comptes, l'elfinement à elle, si une partie n'est pas satisfait, c'est dans la Cour de cassation à tourner, donc vous ne pouvez pas juger partie en même temps, donc il est obligé d'homme. Bon, mais c'est au PC, il dit ça, et bien nous, on dit ça. Mais comme nous écrit, nous pensons que le président va l'écrire, nous, l'a dit nous ça. Non, il tombe. Donc, il attend la Cour de cassation. Pendant qu'on est là, on est qui dans l'autre prison, il a souffri. Et on connaît mieux que moi, j'ai en réalité cassé la main. C'est vrai. Même pas qu'on croit que. La pénaliser, là. On croit que le pouvoir exécutif a fait un bagage pour lui lever grève là. Alors là, ce pouvoir exécutif là, sur nos gens, c'est malheureusement bien lié là. Oui, c'est le pour lever grève là. Mais c'est l'association qui est dans ces gueules-là. Oui, nous avons des revendications. Une fois que l'exécutif satisfait nos revendications, l'exécutif a plevé gueule-là. Oui. Mais c'est jusqu'à qui est. Non, je vais poser la question à l'exécutif. Quand est-ce que l'exécutif va prendre les gueules-là? C'est la question que je fais à l'exécutif. Peut-être qu'aujourd'hui, l'exécutif va prendre les gueules-là.
Ou quand même plus tard, les grèves la levée. Et c'est une décision à prendre. Donc. Et comme mon ministre n'a pas bougé du tout, il bouge, je dis, il écrit CSPJ, c'est déjà un point positif, c'est que je dis à ministre conscient qu'il y a un point. En prise protection citoyenne, OPC remet lundi 12 avril là, bah, comité qui travaille sur nouvelle constitution. Résultat atelier, travail institution réalisé dans plusieurs régions. Non payant. Document ça a reflété, proposition secteur qui était participé à CISIO, d'après protecteur citoyen maître Renan Edouville. Louis Jean-Louis à Kimami Latuin, abdis-nous plus. Après atelier, Office protection citoyen réalisé 23 et 24 février passé à Port-au-Prince, et puis assise qui était fait 10 mars passé à Port-au-Prince, protecteur citoyen maître Renan Edouville remet comité consultatif là, il y a un rapport qui concernait avant projet nouvelle constitution. Document ça, c'est le résultat de divers ateliers de travail, institutions hein, sous problématique, non dans le pays. Hein. Maître Renan Edouville annoncé, OPC a continué à rencontrer citoyens yo, pour tenter ses gestions. Yo. Plus de 34 ans après la chute du régime des Duvaliers, il n'y a plus de place pour le paillonnement. Il n'y a plus de place pour le dogmatisme. Il n'y a plus de place pour les restrictions du droit à la liberté d'expression comme forme de démocratie. La vraie démocratie doit se construire sur le pluralisme, la tolérance, la primauté du droit, l'organisation des élections libres, transparentes et honnêtes, la liberté économique, le principe de la non-discrimination, la protection des catégories sociales en situation de vulnérabilité et aussi la protection des groupes minoritaires. C'était l'occasion tout bouger nous avec quelques propositions qui viennent après Chita Palé et été réalisées dans la date 31 mars passé à la gymnasium Vincent, toujours sur ça qui est pour eux, avant projet Maman Loi Pays. Nous souhaitons yo continue consulter jeunes yo sur tout territoire république là. Comme ça, réaction yo a pi riche. N'a encourager tout jeune participer quitte ou d'accord à projet nouvelle constitution, quitte ou pas d'accord. Jeunes yo prévoit tout en dans constitution pour une disposition que l'état prend pour que éducation civique vini yon bagay qui obligatoire et qui fait partout dans tout racoin dans pays. Bon côté parle ministre de l'espoir et action civique là, salue travail jeune yo pendant le promet pour continuer à accompagner catégorie sociale ça. Jodi constitution ça faut nous adresser véritable problème pays à travers constitution. Des plusieurs l'autre groupe jeune qui a réfléchi MJSAC en particulier technicien MJSAC yo direction de jeunesse qui gagne dans MJSAC a réfléchi dans tout l'autre coin dans le pays sous question constitution et m'a demandé tout l'autre groupe en dans le pays pour le faire même genre avec MJSAC. Paysans, yo, dis ça nos pensées de la loi mère, pays nous. Professionnels, avocats, yo, c'est le moment pour nous dire ça nos pensées avec la loi. C'est pas le monde qui a fait constitution. Constitution n'est pas au monde. Il n'est pas pour le monde. C'est pour le pays. Et c'est le moment pour nous dire pays sans penser. La presse. Je dis, nous avons mot à nous pour nous dire. Je dis, sous question constitution. Parce que nous vivons toutes ces situations, même j'ai tout l'autre monde qui est dans le pays. Président comité consultatif, là, M. Boniface Alexandre, ben garantie, équipe là, pour analyser toutes propositions. Ça que mettez nous là, son élan patriotique, nous pas d'accord avec un pays à marcher. Si nous t'avons fait constitution pour le président, nous pas qu'à soumettre lui, bah, monde pour le critiquer, pour le dire ça, au pensée de lui. Nous t'avons fait secrètement, et puis nous t'avons roué le président, c'est vrai, nous t'avons la constitution pareil, nous pas d'accord en rien. Or, nous-mêmes, avant de nous commencer à travailler ça, nous consulter tout le monde, nous opinion, tout ce que nous avons écrit dans le projet, nous ne servons pas nous. Tout ce peuple-là, et c'est pour le peuple-là notre travail. Ce n'est pas pour le président notre travail. Je remercie le protecteur
pour concours Libanon depuis au commencement de travail là pour jusqu'à présent. Je remercie également le ministre du Sport pour concours Libanon. Nous tendez tout son yo. C'est le travail ça yo doit aider l'autorité à écrire une nouvelle constitution dans la perspective référendum 27 juin 2021. Et nous avons connu le comité consultatif indépendant réalisé mardi 13 avril 2021 un atelier de travail sur la nouvelle constitution avec les handicapés dans le pays. Le secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, Soanel Désir, félicite le comité pour la disposition de prendre l'idée pour éliminer la discrimination contre les handicapés dans la société. Soanel Désir a demandé au comité pour prendre en considération toutes recommandations secteur. Mon handicapé au faible sous travail nouveau constitution. Soanel Désir, dans le micro, Jocelyn Pierre avec Emmanuel Aturé en suivre. Je dis à nous participer dans l'atelier pour que nous-mêmes nous capables de produire une recommandation par nous pour nous remettre au comité. Il y a un aspect qui est très important pour nous souligner. Oui, nous voulons suivre. Sous ça, nous dit là. Mais maintenant, ce n'est pas seulement après ça a fini, il était là. D'ailleurs, nous avons tout le débat qui gagne autour de la Constitution. Nous-mêmes, qui sommes les handicapés qui finissent là aujourd'hui, qui produisent des recommandations et que le comité a assuré que les ramasser toutes feuilles, toutes sanités qu'il avait là pour annexer avec intervention, intervenant pour remettre le travail sur le document ça pour faire prise en compte de ça que nous dit en tant que force vive, parce que nous faisons partie de groupe de force vive nation. Président, il clair sur ça dans toute discours, dans toute déclaration, et que livre les documents sous avant-projet nouvelle constitution, que c'est un document qui tenait compte des voix de tout le monde. Et nous vraiment remercier le comité parce que il était disposé et disponible pour que vous organisiez un atelier avec la communauté monde qui est handicapée. Nous avons travaillé pour faire toujours. Pendant que nous disons que vous n'avez pas quitté le pas oublier la constitution sont deux bateliers, pas de référendum. Donc tout ça, il faut que nous branchions politique, il faut que nous branchions débat et tout, pour nous-mêmes nous continuer à faire point de vue par nous passer en tant que citoyens et citoyennes. Et ceci étant dit, recommandation nous fait là, au comité à eux-mêmes, il y a impartial, il y a travail, il y a produit document, mais nous allons voir remettre. Nous-mêmes nous devons continuer à gommer pour que les recommandations nous passent. Pablié ancienne constitution 1987 là, tu gagné en pile discours discriminatoire la donne. Par exemple, tu gagné un article qui te dit que y a un monde, par exemple, qui n'a juge et qui n'a cour de cassation, qui juge, si que vivine bon handicap quelconque et que si docteur constate que ça persiste, donc il n'a pas retourné juge encore. Et regardez, dans nouveau document ça qui présente soit avant projet, il n'est pas là. Ça veut dire ça, c'est un bon point, comité a et que le travail sur lui, c'est sûr que la prochaine fois, donc si document ça nous continue à boumer pour que lui respecte, eh bien là ça, c'est sûr que mon handicap est au monde qui juge. Qui vient d'un handicap, n'a pas continué à être comme juge, ou du moins, tout le monde qui est handicapé, qui vient juge automatiquement, si toutefois, il est formé pour ça, il gagne une compétence. Voilà, et merci avec tout le monde qui est branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec la chaîne, et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, sans pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.